Tu sais ce que je déteste vraiment? Non. Les mecs en voiture qui s'énervent pour rien. Genre, il y a des putains de mecs, ou alors putains de caisses qui disent des putains de conneries contre d'autres putains de mecs qui les entendront jamais. Tu sais ce que je déteste, moi? Ce sont ces foutus gens qui se plaignent de ces foutus gens qui se plaignent. Qu'est-ce que tu dis? Donc, ce qui t'énerve et te fait tenir un monologue plein d'insultes où tu lâches ta haine, ce sont ces gens qui s'énervent, disent plein d'insultes et lâchent leur haine. Ce que tu me reproches, c'est de m'être énervé contre quelqu'un d'autre qui lui-même exprimait son énervement. C'est ce que tu es en train de faire. Un jour, je ne serai plus sous la gouverne de papa. Et à ce moment, ma vie sera bien meilleure. Tu seras plus là à me prendre la tête. Mais les gens disent toujours des conneries dans le genre, qu'ils seraient mieux ailleurs, je sais pas quoi, je sais Bien pas sûr. quoi. Hein? Tu feras comment sans l'argent de papa? En plus, t'as aucun diplôme. Et le bonheur, ce n'est pas qu'une question de diplôme. Et tu sais que je ferai de la musique pour vivre. Mais t'es là, tu joues du saxophone. Ouais. Bah, tu crois que t'es Chet Baker ou quoi? Mais même mieux. Mais vas-y, mais raisonne-toi, gros. Oh, le jazz, c'est mort, hein. Néo-jazz. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture sur le monde et la diversité musicale qui prônent à l'inverse des personnes de ta sorte qui ne prennent pas le soin de se diversifier. Et d'ailleurs, des artistes actuels, bien qu'ils ne figurent pas dans ma palette musicale habituelle, comme Nekfeu ou Damso, ont récemment ajouté une touche de jazz à leur projet. Mais t'es là, tu parles comme un chevalier. Ma palette musicale, gna gna gna. Mais vas-y, mais casse-toi, toi. Franchement, tu vas faire comment du blé dans tout ça? Écoute, je me débrouillerai pour l'argent. Mais je ne troquerai pas une partie de mes libertés contre un peu de sécurité. Mais t'es là, mais tu fais le mec sophistiqué. T'es un hippie, The B. Oh. En plus, tu refuses d'avoir tort? Tu dis que je refuse d'avoir tort pour esquiver le débat et ne pas reconnaître que tu as tort. Et sache que je déteste les personnes de ta sorte. Et ouais, je parle comme un putain de chevalier, qu'est-ce qu'il y a, enfoiré? Et puis tu sais quoi? Si tu veux pas comprendre qu'avec tout ce que papa nous donne, c'est bien plus simple et qu'il n'y a pas d'enjeu, bah t'as qu'à aller te faire foutre! Maintenant, t'avoues que j'ai raison, je te tue! Ok. Ferme ta gueule! La différence entre toi et moi, c'est que moi j'agis comme je le souhaite, alors que toi tu te laisses manipuler par ton environnement, quitte à perdre tes principes. Ah, ouais, tu es faible et influençable. Et me